bonjour et bienvenue à l'écomusée de la confrérie de Saint-Nicolas de Clamecy. Je suis Maurice Viedet et l'actuel président de l'association. Bonjour, je me nomme Jean Coulon, je suis le vice-président de l'association et nous travaillons avec le président dans la bonne entente. Alors nous avons, dans ce local, nous avons réalisé une série de vitrines qui représentent l'activité. Alors la première vitrine est consacrée à l'abattage du bois et à son marquage, ce qu'on appelait le martelage. Ensuite, ces bûches vont être approchées des petits ruisseaux et de là jetées pour un premier flot, ce qu'on appelle le petit flot, même les petits flots, qui vont amener ces bûches sur les bords de la grande rivière qui est l'Yonne. De là, une ou deux fois par an, il va y avoir un grand flot qui mobilise toute la population, qui va jeter les bûches dans la rivière et qui vont se trouver arrêtées dans la région de Clamecy, depuis Armes jusqu'à le Châtel-Sensoir. Elles vont être tirées le plus rapidement possible, triées selon les marques dont elles sont frappées, et on va en faire des piles. Et chaque pile correspond à une marque. À partir de ces piles, on va ressortir pour en faire les trains. La dernière vitrine donc, représente un train de bois se dirigeant sur Paris. En complément de la visite de notre écomusée, les visiteurs peuvent aller au musée d'art et d'histoire Romain Rolland, qui se trouve à peu près 200 mètres. Au dernier étage, vous avez une salle réservée au flottage qui est particulièrement bien traitée. Les poutres sont magnifiques.